Il faut pas que cette vidéo là soit démonétisée. Hein. Demain, je vais appeler les gens en FaceTime et on va voir leur réaction en direct. Je m'entends. Je m'entends. Oh, j'ai des pleurs. Oh non, il faut pas pleurer. Les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis en train d'essayer de trouver la motivation pour enfin me préparer parce que vous voyez, là, je suis en mode pyjama là. Ça y est, je suis motivé. Few moments later. Bon les gars, j'ai décidé d'arrêter de faire le con. J'ai décidé d'arrêter de brûler mes colis avec du feu pour les ouvrir parce que je pense que c'est pas la solution la plus rentable. Surtout que la dernière fois, ma casquette elle a décédé suite à ça. Je me sens vidé. Et j'ai décidé de commander une paire de ciseaux. Few moments later. En même temps, c'est pas comme si là j'avais le choix parce que les ciseaux sont à l'intérieur. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis magicien? Non, je suis pas magicien. Chaque personne se débrouille comme il peut en fait. Et moi je comprends pas, vous êtes trop dans le jugement. Ouais, moi je comprends pas. Moi j'aime pas les gens qui jugent de toute façon. Ok, juste. Juste je récupère les ciseaux. Juste je récupère les ciseaux. Oh les ciseaux. Just like the guy who's feed it to you. We ain't gonna be in no fire, not the bitch. Oh, oh, pas la veste. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis debout. Genre, je suis debout, genre, c'est trop bizarre, genre, on dirait un podcast. Mais voilà, je sais pas, j'ai envie de me mettre debout et de bouger comme ça dans mon décor et tout. Je sais pas, genre, vous voyez mon mouvement et tout, je suis là et tout, je bouge, je peux danser, je peux twerker. Je pense que c'est mieux que de me retrouver tout le temps assis et tout, on dirait un vieux de 70 ans et ça m'énerve en fait. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais tester les pires articles de AliExpress. J'avais déjà fait ça mais le truc c'est que YouTube a démonétisé ma vidéo. J'espère qu'ils m'entendent. Et ils ont mis une limite d'âge. Donc apparemment mon contenu était trop trash. Donc j'ai pris la décision de ne plus compter sur la monétisation. On remercie le sponsor hein, parce que bon pour acheter tout le truc de AliExpress là, pour acheter toutes les cochonneries là, ça coûte de l'argent les gars. Alors l'Etishop c'est quoi? L'Etishop c'est un site de cashback où vous avez des cashbacks boosté, donc ça veut dire que vous aurez plus de retour d'argent. Site de cashback c'est quoi? Au lieu d'aller sur Asos pour acheter tes vêtements bitch et tout, tu vas sur le site de cashback avant, en fait c'est comme si tu passes par le site de cashback et après tu vas sur le magasin Asos. Et à ce moment là, quand tu vas acheter, plus tu auras un retour d'argent sur ta cagnotte. Donc au lieu d'aller directement sur le site Asos, tu vas passer par le site de cashback et eux comme ils ont des contrats avec Asos, ils vont te renvoyer l'argent qui t'est dû. Sauf que eux ils vont donner beaucoup plus d'argent que les autres sites de cashback parce que ben, c'est la particularité de ce site là, ils donnent plus d'argent, voilà. Ils plus d'argent. Donc quand vous allez vous inscrire sur le site avec mon lien de parrainage que je mets en barre d'infos, vous allez avoir des cashbacks boostés. Voilà, c'est juste pour mes abonnés. En fait, les cashbacks sont déjà boostés. Mais avec mon lien de parrainage, c'est encore plus boosté. Voilà, je sais pas. Je trouve que c'est bien. Moi, je suis content de faire mes abonnés gagner un petit peu d'argent. Parce que la vie est dure, frère, je sais pas. Je me sens vidé. Voilà, alors en fait, c'est... Oh, c'est effrayant. C'est une brosse à dents avec deux brosses, en fait. Comment ça peut brosser les dents? Je vais essayer tout de suite. En vrai c'est grave bien parce qu'en fait ça brosse la dent à l'arrière et à l'avant. À quoi ça peut servir ça? C'est pas une sucette. J'ai hâte de mettre des trucs dans ma bouche comme ça. En plus il y a un cheveu. Vous voyez le cheveu ou pas? Alors apparemment c'est pour vous empêcher de ronfler. Faut mettre la langue à l'intérieur. Vidé. On va regarder les avis parce que c'est toujours drôle de voir les avis. Ça fait mal à la langue de la bêtise. Imagine t'es là avec ton crush, avec ton date, puis tu dors à côté de la personne avec ça dans ta langue. Bonne nuit. Ça j'adore parce que c'est toujours chiant. C'est-à-dire que maintenant tout le monde a son téléphone portable dans la main tout le temps et tout. Et quand il pleut, c'est hyper chiant de tenir à la fois le parapluie, de tenir le téléphone portable. Alors qu'avec ça, tous vos problèmes vont être résolus. Arrête la drogue. Ça, alors, les gars, vous mettez ça dans de l'eau et en fait ça gonfle et ça devient une serviette. La serviette à l'intérieur. Oh, oh je suis choqué.
tout cas, si vous voyagez et que vous n'avez pas de place dans votre valise, pensez aux serviettes comprimées. Objet suivant, qu'est-ce que c'est? Sont de fausses fesses. Du coup, je vais essayer ça et on va regarder si ça me donne plus de fesses. Quand je fais du sport, je fais des squats, mais c'est vrai que j'ai pas des fesses de ouf. Et avec ça, j'aurai des fesses de ouf. Ah non, c'est moche, wesh. Ah mais j'ai honte de vous montrer ça, c'est trop moche. Là, j'ai un objet. Arrêtez tout, arrêtez tout. Si vous faites du sport, vous allez en salle et tout, arrêtez, vous perdez votre temps, c'est fatigant, personne n'aime ça. Et ça va vous faire avoir des pecs. Donc ce sont de faux pecs. J'ai des seins, les gars, j'ai des seins. Regardez, j'ai des seins, wesh. Horrible. Vous mettez ça, et puis vous avez un date, et puis quand la personne, elle lève votre t-shirt, elle voit ça. Je vais regarder les avis pour voir les cassos qui ont commenté. L'effet est bizarre. Sans blague. T'as commandé ça en pensant que l'effet allait faire naturel. C'est le dernier objet. Je vais vous dire un truc, j'ai vraiment pas envie de mettre ça sur mon visage. Parce qu'en plus je fais des soins tout en ce moment, j'essaie de prendre soin de ma peau. Et là mettre ça, franchement, je sais pas. Je me sens vidé. Mais je vais aller encore plus loin parce que c'est trop effrayant en fait. Ce que je vais faire, c'est que demain je vais appeler des amis en FaceTime. Pas ce soir parce que là il est littéralement. Il est quelle heure là? Il est 3h20 du matin, y'a personne qui va répondre. Donc ce que je vais faire, c'est que demain je vais appeler des gens en FaceTime et on va voir leur réaction en direct. Je vous promets, je vous fais ça demain parce que franchement, ça fait trop peur. And a half hours later. Allez, on est déjà au lendemain. Bah, j'ai mis des gants pour pas qu'on voit un visage blanc et des mains noires. Je vais essayer d'appeler des amis, je sais pas s'ils vont répondre. Et je vais me tenir comme ça, je sais pas si ça fait peur là. Je sais pas si on voit le couteau. Oui, on voit. Harry Potter avec tes lunettes, t'as l'impression que t'as rien quoi. Pourquoi c'est que t'as l'avoir peur et tout? Non. Bah, je rate ma prochaine cible. Ok. Il y a de grandes chances que là ça foire parce que je vais appeler mon frère. C'est pas Cédric, c'est un autre frère qui est en Martinique. Parce que lui, il s'en bat les couilles de tout. En fait, j'étais censé croire qu'il y a un mec masqué qui est venu chez moi et qui m'a fait du mal. On reconnaît la manière de manger. Le gars est imbécile. La première fois que t'es passé devant le téléphone, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait encore? Super peur, c'est quoi ça? Jonathan? Jonathan? Allô, vous êtes qui? Il est où Jonathan? Jonathan? C'est un prank! Je suis désolée, c'est un prank! Moi j'ai trop eu peur, wesh! Regarde, c'est la larme! Oh, je suis désolée! Mais j'ai dit, c'est quoi ça? Oh non, mais tu pleures! Mais non, mais faut pas pleurer! Ça me fait peur. Attends. À quoi tu joues? Je m'en parle au ciné, toi. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Je te déteste. Non, non, j'ai pas cru que c'était une personne. Genre, j'ai vu que c'était un masque. Mais j'ai cru que c'était quelqu'un avec un masque qui était en train de te taper. Si ça y est, il a eu des problèmes dans le YouTube game. Ah, je suis désolé, mais en tout cas, ta réaction, elle est super touchante. Répondez si vous voulez revoir votre ami. Franchement, tu es nerveux, je te réponds jamais quand il faut. Je vais le rappeler, je vais essayer une dernière fois. Il ne veut pas répondre en FaceTime. Il m'appelle en appel normal, Franklin, il veut pas répondre en FaceTime. Allô, t'as raison. Et genre, je l'ai téléphoné en appel et tout. J'ai pas cité le FaceTime parce que c'est trop chelou. Et du coup, bah là, il m'a encore appelé en FaceTime, j'ai pas répondu sur le téléphone. Ouais. Et il est téléphoné, mais quand je téléphone, il répond pas, donc c'est trop bizarre. Ah, je sais pas, moi j'ai pas parlé avec lui depuis ce matin en fait. Menteuse! Ouais, c'est trop bizarre. Bah attends, je vais essayer d'appeler là pour voir s'il répond. Tu mens!
mignon. Vas-y, on se rappelle. Il s'inquiète pour moi en fait les gars, c'est trop mignon. S'il répond à mon appel FaceTime, sa réaction elle sera incroyable. Il faut pas qu'il réponde en fait, je sais pas s'il va répondre. Attends, il appelle. Ouais. Allô. Mais j'appelle, ça répond pas. C'est bizarre hein. Mais toi il appelle. Bah en fait je sais qu'il m'appelle en FaceTime et je vais pas répondre en FaceTime parce que c'est chelou. Et genre quand je l'appelle normal il répond pas. Et surtout le message, je t'ai envoyé ou pas le truc? Ouais je m'envoyais. Je sais pas, il répond pas quand je l'appelle, c'est bizarre. Jeu d'acteur en français. Tiens je l'appelle en FaceTime mais j'enlève la caméra. Franck là je suis désolé. Later. Ouais non j'ai fait un FaceTime, je sais pas, la caméra n'a pas répondu. Donc soit il s'est fait pirater, je sais pas, mais c'est trop chelou. Surtout avec le dernier message là, moi ça m'inquiète hein. Je veux le rappeler. Ouais. Yann, appelle la police. Ouais, ou quoi? J'ai vu la police. J'ai fait un FaceTime, il y a quelqu'un qui est chez lui. Ah ouais? Ouais, j'ai la vidéo et tout, c'est trop chou. Genre, j'ai fait le FaceTime, il y a quelqu'un qui est en train de voler chez lui et tout, on dirait, donc appelle la police. Attends, je te rappelle. Non, Franklin. Je suis désolé. Jonathan? Je suis désolé, c'était un prank. C'est pas drôle. C'est Jonathan. Ouais, mais c'est archi pas drôle. Non mais attends. Non j'ai bien réagi quand même. Mais c'est qui le mec blanc? C'est un masque. C'est un masque. Tu vois pas que sur la tête j'ai un masque? Putain mais on dirait vraiment pas un masque. Je me sens vidé. Arrête la drogue.